Hashtag Making Off, tous les mercredis de 20h à 21h avec Kevin et Larbi sur VL. Julie Jim de François Truffaut 1962, film sur une femme libre, au-delà de l'interprétation de Jeanne Moreau, actrice libre, un film sur l'amour libre. Ouais, ben la liberté c'est quelque chose de très très important pour moi et c'est vrai que j'ai toujours eu des difficultés avec les schémas classiques de société, et quels qu'ils soient, hein, pas que dans l'amour, voilà. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce film, ça m'a bouleversée parce que je me suis dit bah ouais, c'est beau cette liberté absolue sans vouloir se blesser les uns les autres. Je trouve que c'est pas du tout une histoire malsaine, en fait, c'est une histoire compliquée, mais qui finit pas forcément bien. Mais c'est vrai que, ouais, je trouve que ça respire juste l'envie de donner et de s'aimer, en fait, sans avoir à se poser plus de questions. Et j'aime beaucoup ce concept. Et comment tu as découvert, alors on va voir sur la droite, hein, juste d'autres images, voilà, de Julie Jim que je vous invite vraiment à redécouvrir. Comment tu as découvert ce cinéma à la suite, François Truffaut, mais la nouvelle vague de manière plus générale, un cinéma qui n'est pas forcément évident. Quelqu'un t'a mis dedans ou c'est toi-même qui... Ouais. C'est beaucoup Gabe Klinger qui a réalisé le film Porto. Avec Anthony Elchin, un film de 2015. Voilà, un film... très très joli film. Un très, très beau film, un peu à réessayer quand même. Ah oui, complètement, c'est un film indépendant. Donc oui. Voilà, et que j'ai adoré tourner, qui a été très 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 difficile à tourner parce qu'on n'avait pas de budget et que donc vraiment... Pour ça, je pensais que tu dirais que ce serait... tout à l'heure, quand tu as dit que cette nouvelle saison Clem était tournée, je pensais que c'était déjà plus quelque chose de très courageux de faire Porto, mais ce qui me prouve que cette nouvelle saison a dû être forte, parce que je sais que Porto, à quel point ça a été dur pour toi. Porto, c'était un énorme défi d'actrice, clairement, parce que je jouais pas dans ma langue maternelle et que c'était un film complètement indépendant et donc qui tranchait totalement avec Clem. Mais c'est le réel, c'était, du coup, c'était pas si difficile parce que c'était... inscrit en moi. Moi, à la base, c'était par ce cinéma-là que j'étais attirée. Ah oui. Voilà. Mais c'est vrai que Gabe, on s'est retrouvés un mois avant de tourner avec Anton Yelchin et le réalisateur, et on a passé, tous les jours, on passait au moins 2-3 heures à regarder des films, en fait, Nouvelle Vague, pour s'imprégner, en fait. Et ça faisait partie de nos devoirs. C'est vrai. Et donc voilà, et c'est avec Gabe que j'ai vu ce film, mais alors pas pendant le tournage. Celui-là, je l'ai vu au Festival de Toronto. Au festival de en Italie. Il y a un thé aussi dedans. Turin. Turin, merci. Au festival de Turin et voilà, et ça a été un choc.